Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, trois pays qui entrent dans un cycle électoral aux grands enjeux. Beaucoup redoutent les dérapages, la CEDEAO est préoccupée. La question est au centre d'un sommet extraordinaire à Dakar. Pour l'heure, aucune fausse note au Burkina, le processus électoral suit son cours normal. Le tirage au sort pour le positionnement des candidats à la présidentielle sur le bulletin unique s'est déroulé aujourd'hui, image et ambiance dans ce journal. Les dermatologues du Burkina attirent l'attention sur les cancers cutanés. Attention, danger, le sujet était au centre de leur quatrième congrès, un événement marqué par l'arrivée de sept nouveaux dermatologues entièrement formés sur place. Et puis ce dramatique accident. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, les pays de l'Afrique de l'Ouest examinent à Dakar la situation préélectorale dans un certain nombre de pays membres. Des scrutins aux grands enjeux sont en vue, notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, et beaucoup craignent les dérapages. Les 15 chefs d'État et de gouvernement vont aussi se pencher sur le cas de la Guinée-Bissau, un pays en crise depuis de longues semaines. Sarah Toussissé, Jacques Lamissa Tarpaga. Les élections en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, mais surtout au Burkina Faso après l'insurrection d'octobre 2014, animeront les débats à ce sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Le président du Faso, Michel Kafando, arrivé vendredi après-midi, devra rassurer ses pairs sur la bonne conduite du processus électoral. Déjà, un premier entretien a eu lieu avec le président de la commission. Comme d'habitude, les chefs d'État échangent sur les enjeux et certainement les élections qui arrivent dans plusieurs États membres de la CEDEAO seront donc passées en revue pour qu'ensemble, ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout se déroule normalement. La CEDEAO a même désigné un médiateur pour les élections au Burkina Faso il y a quelques jours et c'est le président béninois Yayi Boni qui en a la charge. La veille du sommet, lui et Michel Kafando se sont rencontrés, mais rien n'a filtré des échanges. La crise en Guinée-Bissau intéresse également les 15 de la CEDEAO qui devront trouver des solutions. Retour au Burkina Faso, les candidats à l'élection présidentielle connaissent désormais leur position sur le bulletin unique. La Commission électorale nationale indépendante a organisé aujourd'hui même le tirage au sort, une cérémonie en présence des représentants des partis politiques et des candidats indépendants. Konsoun Koulibaly, Viviane Tiendribeugo. Ce n'est pas le bulletin unique définitif, mais une préfiguration de ce que sera le spécimen que tous vont utiliser pour la présidentielle du 11 octobre prochain. Certains, vous savez, préfèrent organiser eux-mêmes leur présentation de bulletin unique. C'est la raison pour laquelle nous leur donnons la possibilité de pouvoir effectivement revoir, travailler effectivement leur photographie afin de nous permettre, nous, de poursuivre dès ce soir en fait les opérations. Que nous puissions avoir, disons, les bons à tirer d'ici le début de la semaine pour avoir effectivement l'ensemble des bulletins, en spécimen en tout cas, le plus rapidement possible. Pour ce tirage au sort, deux candidats étaient présents. 9 se sont fait représenter et 3 étaient absents. Pour le candidat salvadorien Muyogo, la main innocente de Géraldine Zungrana lui a été favorable. Je suis satisfait. Je pense que je suis positionné sur le bulletin, mes électeurs auront facilement la possibilité de m'identifier. Le tirage au sort a eu lieu en présence de Maître Emmanuel Minungu, qui s'est assuré de la conformité de la procédure avec les prescriptions du code électoral. Et du côté du Conseil supérieur de la communication, on prépare activement les différentes émissions prévues pendant la campagne électorale. Après le tirage au sort pour l'ordre de passage des différents candidats, le CSC échange avec les journalistes retenus pour assurer l'animation. Objectif, s'accorder sur le contenu de ces différentes émissions. Ibrahima Sombié et Nathalie Sawadgo. Ici, de médias publics et privés, ces journalistes sont ici pour se familiariser avec les techniques nécessaires pour réussir les émissions interactives lors de la campagne électorale. L'ambition du Conseil supérieur de la communication avec cette formation est de mettre en exergue ses compétences de régulation. Hier, nous avons procédé au tirage au sort du passage des candidats et des partis politiques dans les médias et des services publics.
et pour mettre en œuvre le principe de l'égal accès de tous les aux médias de service public. Maintenant, pour que ça ait un contenu réel, il faut bien que les émissions soient animées. Et pour animer ces émissions, il faut des hommes et des femmes de médias. Et ce sont ces femmes et ces hommes de médias qui seront formés ce matin. La typologie des émissions, les techniques des débats sont entre autres les modules qui seront dispensés au cours de la journée. Qui dit élection dit joute oratoire et il y a souvent quelques tensions. Il faut savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire. À l'issue de la formation, ces journalistes seront mieux outillés pour mener des débats à cette campagne électorale et bien entendu un face-à-face en cas de second tour. Des femmes issues des organisations de la société civile qui s'initient aux techniques de dialogue et de médiation. L'objectif, c'est de renforcer leur leadership afin qu'elles puissent contribuer à désamorcer des éventuelles crises en cette période sensible. C'est une initiative du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Konsoun Koulibaly, Aimé Solange Guigma. Ces 26 femmes, actrices des organisations de la société civile issues des 13 régions, ont été formées pendant 3 jours sur les techniques et méthodes pratiques en dialogue et en médiation dans le but de prévenir et de gérer des conflits électoraux. Nous aurons à effectivement affronter les élections du 11 octobre 2015 et cette formation en tout cas nous permettra de réinvestir ce que nous avons appris sur le terrain. Nous ne le souhaitons pas, mais au cas où ça arrivait, je pense qu'il est de notre devoir d'œuvrer pour la paix. L'initiative est du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Burkina, qui entend à travers le renforcement des capacités de ces femmes en leadership, en médiation et en dialogue, faire de la femme le canal pour une paix véritable au Faso. C'était donc nécessaire qu'une telle équipe soit mise sur pied pour être en alerte au cas où des violences allaient surgir. Et je crois que ça rentre aussi dans le mécanisme d'alerte précoce de WANEP Burkina. Un système d'alerte précoce, pour être efficace, a besoin d'une réponse rapide. Et ces médiatrices-là vont nous aider à répondre efficacement aux différentes alertes qui seront lancées par notre système. Ces femmes formées constituent pour le WANEP Burkina un pool de médiatrices et de sentinelles sur les questions des droits des femmes. Les sinistrés du quartier Bisguin de Ouagadougou, face à la presse ce matin, ils ont souhaité faire une mise au point. Non, nous n'avons pas reçu de parcelles après les inondations du 1er septembre 2009. Les sinistrés invitent par ailleurs le gouvernement à trouver une solution durable à leurs problèmes. Compte rendu, Nongma Kouda et Amandine Lalsaga. C'est une conférence de presse aux alus de droit de réponse. Le comité de crise de la zone sinistrée de Bisguin, visiblement remonté, s'insurge contre certaines déclarations faites par le gouvernement suite à l'inondation survenue le 2 août 2015 dans la zone. La population sinistrée, au jour d'aujourd'hui, a de la peine. Au regard des déclarations que nous avons entendues, que la population a été bénéficiée des parcelles, et qu'ils ont vendu et se sont réinstallés. Nous disons qu'il y a des populations qui ont certainement eu ces parcelles, mais il y a beaucoup qui n'ont pas bénéficié des parcelles. Selon le comité de crise, la zone non lotie de Bisguin totalise 1600 sinistrés répartis dans les arrondissements 8 et 3. Vraiment, on demande l'aide, qui nous aide, surtout les enfants, ça s'envoie le bas-fond. Quand il pleut, tu fais 5 minutes, tu ne vois pas ton enfant. Tu vas là devant le bas-fond. Tu ne sais pas comment faire. Le comité de crise de la zone sinistrée de Bisguin interpelle le gouvernement de transition pour qu'une solution urgente soit trouvée à ce problème. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant appelle à sauver la SN Sosuco. La société est au bord de la faillite pour cause de mévente et ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Un meeting a été organisé à Banfora. Le mouvement invite les candidats à la présidentielle à intégrer le cadre de la Sosuco dans leur programme. Idrissa Warga et Moussa Sanon.
Face à la crise que connaît la SNCC, le mouvement Plus rien ne sera comme avant monte au créneau. En réunissant la population de Panfora ici pour un meeting, le M-Presca entend appeler les populations à venir au chevet de la SNCC, une société en difficulté financière avec à l'heure actuelle 22 000 tonnes de sucre invendues estimées à 11 milliards de francs CFA, une situation qui expose cette unité à un risque de fermeture si rien n'est fait. Les politiciens sont assis. Il faut qu'on sauve la Susco. En sauvant la Susco, on sauve en réalité la population. On sauve en réalité toute la population de la province, de la région et de tout le Burkina, tout entier. La SNCC, c'est le fleuron de l'économie nationale. 4 000 travailleurs, on dit que c'est le premier employeur privé de Burkina. Avec 3 milliards de masse salariale par an. Pour le M-Presca, si des candidats veulent des voix dans les cascades aux prochaines élections, leur programme doit forcément prendre en compte la question de la SNCC. Le désastre que vit aujourd'hui dans la SNCC, la cause, ce sont les politiciens. Donc, c'est eux qui en détiennent en même temps le maître. Voilà pourquoi donc nous interpellons les politiciens qui vont rentrer bientôt en campagne, et notamment donc surtout ceux qui prétendent aller à la présidence, nous gouverner. 19 septembre 2015, date de l'ouverture de la campagne électorale, c'est également la date butoir que le mouvement Plus rien ne sera comme avant donne aux candidats pour prendre une position sur la SNCC. Tout candidat qui ne s'exécutera pas, le mouvement prévient qu'il l'attend sur le terrain de la campagne à Banfora. Santé à présent, et on évoque le cas des cancers cutanés. On en parle très peu. Les dermatologues, eux, tirent la sonnette d'alarme. Le sujet était au centre de leur 4e congrès qui s'est achevé aujourd'hui. Une fin de congrès marquée par la sortie officielle de la 3e promotion de dermatologues entièrement formés au Burkina Faso. Adama Guiti, Estelle Judith Assogba. C'est sur une note de satisfaction que se sont achevés les travaux des 4e journée dermatologique de Ouagadougou selon les organisateurs. 3 jours durant, ils ont fait le point sur la pathologie tumorale cutanée, dégagé les facteurs qui favorisent le cancer de la peau et discuté sur la problématique de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments anticancéreux. On a fait l'analyse des facteurs qui favorisent les cancers. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans nos milieux, il y a encore du travail à faire pour maîtriser ces facteurs-là. Vous savez, en Europe, le facteur essentiel, c'est le soleil. Chez nous, la peau qui est pigmentée protège contre les cancers. Donc, il y a des recherches à mener pour pouvoir bien maîtriser ces facteurs-là et également participer à la prévention. Nous avons des difficultés par rapport à la disponibilité des médicaments, mais également à l'accessibilité. Ça coûte cher. Et une table ronde a été faite pour que nous puissions demander au ministère de la Santé de plaidoyer pour qu'il y ait suffisamment de médicaments, mais également de chirurgiens, mais que les prix puissent baisser. Peau et tumeurs, une thématique jugée importante selon les spécialistes, car les maladies de la peau constituent le 3e motif de consultation dans les structures sanitaires du Burkina. Aujourd'hui, ils sont seulement 20 dermatologues pour 18 millions d'habitants au Burkina Faso. C'est dire donc que le besoin s'est fait sentir. En attendant, les autorités sanitaires et des enseignements peuvent déjà se réjouir avec la sortie officielle des premiers dermatologues entièrement formés au Burkina Faso. Ils sont au nombre de 7, dont 6 Burkinabés et un Nigérien. Au Burkina Faso, il y a un dermatologue pour 1 million d'habitants, ce qui est très en dessous des normes recommandées par l'OMS. Donc, nos attentes sont véritablement que plus de jeunes soient orientés vers cette discipline, que cette discipline soit plus connue. C'est une spécialité dans laquelle le Burkina n'a pas beaucoup de compétences. Donc, c'est un grand apport pour notre pays. Cette cuvée, baptisée Promotion Persévérance, viendra renforcer les ressources humaines existantes et améliorer la santé des populations. La société minière True Gold se dote d'un cadre de dialogue et de réflexion, un cadre constitué d'une vingtaine de personnalités issues de divers domaines et dirigé par Maître Alidou Ouédraogo. Sa mission, aider la société à améliorer ses performances. Explications, Roger Kam et Maxime Zongo. Forum de stabilité est le nom de cette nouvelle structure portée par un groupe d'intellectuels. Un espace de dialogue et de réflexion
un centre de production de connaissances pour accompagner l'entreprise minière True Gold, basée dans le Yatenga, objet récemment d'une crise qui avait sérieusement affecté ses activités. Une crise ne se résout pas du jour au lendemain comme ça. Il faut consolider les résultats, stabiliser les uns et les autres, leur redonner confiance et créer les conditions d'une pérennité des accords. Alors, tirant les leçons, la compagnie minière True Gold Karma SA Société a émis l'idée de créer un forum de stabilité. Et l'objet du forum de stabilité, c'est de contribuer effectivement à une normalisation complète de la situation. Forum de stabilité qui sera dirigé par Maître Ali Ouédraogo est un regroupement d'une vingtaine de personnalités. Elles sont issues du monde associatif, intellectuel et des affaires. Avec la présentation de sa charte ce samedi à Ouagadougou, c'est le top de départ d'un partenariat dynamique destiné à améliorer et à consolider les activités de la société. La paix et le dialogue entre populations hôtes et réfugiés, une question préoccupante, surtout dans le Sahel. La région abrite une forte communauté de réfugiés et les conflits ne manquent pas. L'ONG A2N vient de lancer un projet intitulé « Renforcement du système d'alerte et de résolution des conflits dans le Sahel ». Objectif, préserver un climat apaisé entre ces différentes communautés. Yacouba Ouédraogo, Bernard Diasso. Ce projet vient renforcer la prévention des extrémismes violents, notamment d'origine confessionnelle, dans le but de promouvoir la culture des valeurs religieuses pour le renforcement de la paix et la coexistence pacifique entre les communautés. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec les politiques de l'État en matière d'enracinement, d'appuyant social et de consolidation de la paix pour le bonheur des populations. Débuté en avril 2015 et pour 24 mois, le projet doit s'exécuter dans 40 villages situés dans 12 communes des provinces du Soum et de l'Oudalan. À terme, ces résultats sont attendus. Les capacités des membres, des cellules et des leaders communautaires des 21 villages sont renforcées. Les membres des 13 cellules communautaires n'ayant pas bénéficié d'appui lors de la phase 1 du projet et les membres des 18 groupements de femmes des populations hôtes et réfugiés sont formés et exercent une AGR qui leur permet de se prendre en charge. C'est conscient de la place prépondérante de la paix comme vecteur de développement économique et social que le Royaume du Danemark soutient et accompagne cette initiative de l'ONG A2N avec une enveloppe de près de 203 millions de nos francs. La paix, mais aussi la démocratie, deux sujets au centre du troisième forum national du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Le forum s'est ouvert aujourd'hui même à Ouagadougou. Les échanges vont surtout porter sur l'engagement citoyen du musulman. Salifou Belem, Sibidi Issa Lankwande. C'est le dernier d'une série de forums qui se tient à quelques semaines des élections. Le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, porte ici la réflexion avec ses membres, des acteurs politiques et des organisations de la société civile sur la contribution du musulman à l'édification de la nation. Ce troisième forum national met la spiritualité et la citoyenneté au cœur de sa réflexion. Nous sommes dans un contexte sociopolitique suffisamment prenant. Et donc, nous avons choisi ce thème-là depuis le début de l'année, effectivement, pour inviter les musulmans à être des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des acteurs à tous les niveaux, où on peut apporter une modeste contribution, soit-elle, à l'édification de notre pays. Et pour que les participants jouent bien leur partition, des communications portant sur des thématiques d'actualité leur seront présentées. Il y aura des panels, des professeurs d'université sont invités. Des spécialistes en matière de sécurité sont invités et les activités vont se dérouler autour des exposés, des panels et différents débats sur la sécurité, le terrorisme, la participation citoyenne. Ce forum qui connaît la participation de délégués venus des 13 régions du pays se veut également une synthèse des conclusions des forats régionaux tenus tout au long de l'année. Des recommandations seront formulées à l'intention de la classe politique pour un Burkina multiconfessionnel plus démocratique.
Éducation à présent, l'année scolaire qui s'annonce sera marquée par l'expérimentation de nouveaux curricula aux primaires. Six régions vont servir de laboratoire à quelques jours du début des cours. 250 enseignants de ces régions ont été réunis à Lumbila pour une grande répétition. Salifou Belem, Mounir Akiré avec la voix de Tanga Kafando. 250 enseignants chargés d'expérimenter les nouveaux curricula de l'enseignement de base participent à cette session de formation. Une formation qui vise à renforcer leurs capacités à faire face aux modifications qui surviendront dans leurs pratiques pédagogiques. Nous avons essayé de voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le système éducatif, quelles étaient les défaillances que les sortants présentaient vu le contexte national, sous-régional et mondial dans lequel nous nous situons, et de voir donc justement qu'est-ce qu'il fallait apporter au niveau des curricula pour que nos sortants puissent mieux s'intégrer. Le cadre d'orientation du curriculum, la stratégie d'intégration des savoirs endogènes dans les curricula et les outils de suivi et évaluation sont entre autres les modules qui seront enseignés aux participants. Les expérimentateurs sont des acteurs de première ligne. À l'issue de la session de formation, nous attendons qu'ils aient une maîtrise parfaite de tous les systèmes, de tous les contenus, du cadre d'orientation du curriculum et bien sûr des curricula eux-mêmes pour pouvoir les mettre en œuvre. Parce que si cela n'est pas effectif, comme ils sont la première ligne, si à ce niveau nous échouons, il va sans dire que la généralisation ne pourra pas être opérée. La réforme des curricula touche le préscolaire, le primaire, le post-primaire et l'éducation non formelle, les régions de la boucle du Mouhoun, du centre, de l'est, des hauts bassins, du plateau central et du Sahel sont retenus pour son expérimentation. Un système d'information sur les marchés pour promouvoir la commercialisation des produits de qualité, c'est une idée de l'Agence de promotion des produits forestiers non lignon. Le système a pour but d'améliorer les revenus des acteurs de la filière. L'innovation a été présentée aux femmes productrices du Sud-Ouest et du plateau central. Jean-Eude Bayala, Aruna Maré. L'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux présente ici à Zinaré son système d'information sur les marchés. Derrière cette sensibilisation des actrices de la filière qualité des régions du plateau central et du centre-ouest, leur implication est attendue pour la mise à jour de ce système. La mise en place donc d'un SIM, un système d'information sur les marchés, va permettre donc aux acteurs donc de mieux écouler donc leur production, donc grâce au TIC, un acheteur ou un commerçant résident donc en Europe est à même donc d'avoir une idée sur les quantités disponibles. Le potentiel en espèces ligneuses pourvoyeuses de produits forestiers non lignés au Burkina gravite autour de 376 espèces. Et ses partenaires de l'agence, dont le qualité semble être le cordon ombilical, fondent beaucoup d'espoir sur cette trouvaille. Cette initiative-là est vraiment bien pour nous hein, parce que ça va beaucoup nous aider à surtout avoir des marchés à côté de nous et aussi pouvoir écouler nos produits aussi. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, accompagne la structure dans cette opération de sensibilisation. Fadan Gourma et Bobo Djoulasso sont aussi concernés par cette campagne de vulgarisation. Un plan stratégique de gestion des déchets solides, voici l'instrument qui devrait faire de Combissiri une commune propre et agréable. Le document fixe les orientations pour la collecte, le tri et le traitement des ordures ménagères. Pour sa mise en œuvre, la commune a besoin de 273 millions de francs CFA. Konsoun Koulibaly, Sibidi Issa Lankwande. Combissiri, cité de la patate douce, et ses habitants sont bien fiers. Mais Combissiri a mal à sa salubrité et à son assainissement. En témoignent ces détritus qui s'amoncellent dans plusieurs endroits de la ville. C'est une situation qui devrait changer avec la remise de ce document, le plan stratégique de gestion des déchets ménagers de la commune. Fruit d'une action participative, ce plan devrait, à l'horizon 2025, conférer à la collectivité un statut de ville propre. La commune doit renforcer les capacités de son service technique. Il y a le niveau organisationnel où en fait la commune doit contracter la gestion des déchets avec les organisations de collecte et le niveau technique où en fait il y a le renforcement des capacités des différents acteurs et aussi les sensibilisations en vue des changements de comportement.
Le plan, une fois mis en œuvre, va permettre à la ville de gérer efficacement ses déchets solides, mais également de créer des emplois. 16% des ménages seront abonnés d'ici 2025 et au moins plus de 1000 et quelques tonnes de déchets seront collectés et traités par an. Mais aussi, il faut se dire qu'il est attendu de ce plan d'ici 2025 au moins 55 emplois. Les populations mobilisées à l'occasion de la remise du plan ont été invitées à s'impliquer dans sa mise en œuvre par une souscription à la pré-collecte de leurs ordures ménagères. Culture à présent, avec ce plaidoyer pour une prise en compte de la dimension culturelle dans les politiques de développement, le cri de cœur est lancé par la Coalition des artistes et intellectuels pour la culture. Elle vient d'organiser un forum pour porter son message. Ibrahima Sombié, Abdoul Rasmane Zongo. Quelle place la culture occupe-t-elle dans notre pays et quels sont les besoins dont elle a besoin pour rayonner? L'interrogation émane de la Coalition des artistes et intellectuels pour la culture et s'adresse aux politiques. Pour les initiateurs de ce forum, il faut changer de paradigme culturel ou tout au plus le repenser, d'où la trouvaille, gouverner pour et par la culture. Dans la nouvelle donne dans notre pays, on puisse consacrer des ressources importantes à la culture, parce que sans culture, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas une volonté de vivre ensemble. Il faut donc redonner de la ressource à l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est quoi? C'est la culture. L'initiative est appréciée par l'autorité de tutelle, ici excusée. Nous ne pouvons pas véritablement avoir un développement endogène, un développement, je dirais, de type participatif, sans véritablement donc intégrer la variable culturelle donc dans notre processus. La culture coûte cher, mais comme certains disent, sans culture, ça va nous coûter encore beaucoup plus cher. Les acteurs promoteurs culturels, à travers ce plaidoyer post-insurrectionnel, ambitionnent faire de la culture le socle qui unit la société burkinabé sans la confondre et la distingue sans la séparer. Cinéma à présent, dire non franchement, c'est le titre d'un court-métrage sur les grossesses non désirées et le VIH-Sida, un film du jeune réalisateur Sougrinoma Ibrahim Guigman. La sortie officielle de l'œuvre a eu lieu hier à Ouagadougou. Présentation avec Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. C'est toi qui veux faire. Dire non franchement est l'histoire de deux élèves en classe d'examen. Oumar, mais très vite amoureux l'un de l'autre, Zaya tombe enceinte. Les deux jeunes, chassés par leurs parents, abandonnent l'école. Oumar se lance dans la vente des journaux et de cartes de recharge pour subvenir aux besoins de sa femme. Malheureusement, Zaya, très jeune, meurt pendant l'accouchement. Ça nous rappelle que devant cette situation qui est devenue fréquente, nous oublions que c'est un drame que vivent chaque fois les familles au niveau de toutes nos provinces. Nous oublions que dans les établissements secondaires et dans les établissements primaires parfois, des drames se produisent à longueur de journée. Sensibiliser les jeunes sur les grossesses non désirées et précoces et sur le VIH-Sida, c'est le but recherché à travers ce film. Ce film est venu du fait de la campagne de sensibilisation de talents de jeunes qui est né du constat fait de façon globale du nombre de grossesses non désirées qui est dans les établissements. J'espère seulement que le film qui vient de sortir officiellement va remplir les missions et les objectifs pour lesquels il a été conçu. Dire non franchement sera diffusé lors des campagnes de sensibilisation dans les secteurs, villages et provinces à travers le pays. À présent, la revue de presse des Hebdo, deux sujets à retenir, la gestion des fraudes au concours de la fonction publique, mais aussi la valorisation du Faso d'Anfani. Touboum, Evelyne Dabiré. Fraude au concours de la fonction publique, les hebdomadaires font le point. Gigi parle d'une gestion catastrophique d'une marée noire par le ministre Augustin Loada. Pour ce journal, le refus obstiné du ministre de ne pas vouloir réorganiser les dites épreuves contestées est d'autant plus incompréhensible que l'homme est un juriste. Les justifications calendaires ou financières ne tiennent pas la route, estime votre journal du jeudi, pour qui le président et le chef du gouvernement seraient bien inspirés de ramener leurs collaborateurs à la raison. Un autre sujet qui a intéressé vos journaux,
la problématique du Dan Fani. L'Observateur du dimanche revient sur la cérémonie de clôture du Dan Fani Fashion Week et conclut en affilé du bon coton. Le journal L'Opinion rapporte les propos de Joséphine Ouédraogo, ministre de la Justice garde des Sceaux, à cette cérémonie de clôture. Pour elle, la portée du Dan Fani Fashion Week est énorme. Pour preuve, c'est pendant l'événement que le gouvernement en Conseil des ministres a décidé d'adopter le Faso Dan Fani, campagne officielle du 8 mars du Burkina. Et Gigi voit dans le port du Faso Dan Fani une reprise de l'initiative révolutionnaire qui va booster le secteur du tissage au Burkina Faso. Pour ce journal, cela constitue une réhabilitation du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Encore une fois, conclut Gigi, l'histoire s'en est chargée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.